Ces deux smartphones coûtent plus de 1 500 € chacun et j'ai décidé de ne comparer que la partie photo. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais je vais aussi vous parler de ce qu'on évoque plus rarement, le côté pratique pour faire des photos. Alors attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Alors pour comparer la partie photo des Samsung Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max, je trouve que c'est super dur, hein. Ces deux smartphones sont réellement ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché en 2024, et en toute honnêteté, ça serait super chaud de les départager. Donc j'ai mis le focus, si on peut dire, sur un autre point crucial pour un smartphone, c'est l'ergonomie, le confort d'utilisation. Et j'ai donc fait des photos tous les jours pendant un mois, comme on les fait dans la vraie vie. Par exemple, quand tu dégaines ton smartphone pour shooter un truc qui passe devant toi, avant qu'il ne disparaisse de ton champ de vision, parce que c'est une voiture qui est super rare et qui va trop vite, parce que le smartphone, c'est le truc que tu as toujours avec toi, et c'est donc sans aucun doute l'appareil photo que tu utilises le plus souvent. Donc j'avais plutôt envie de faire une vidéo où j'ai essayé de trouver des défauts à ces smartphones pour la prise de photo, plutôt que des qualités. Donc je vais vous expliquer ce qui m'a plu, mais aussi ce que j'ai moins aimé pour faire des photos avec l'iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra. Et je vous parlerai aussi de notre partenaire pour cette vidéo, il s'agit de Luminar Neo, qui est une appli vraiment bluffante pour la retouche photo. Je vous montrerai des exemples qui subliment vos photos, même prises avec des smartphones. Et avant d'utiliser Luminar Neo, vous devez faire des photos, et pour cela, je vais vous montrer un comparatif entre plusieurs photos quasiment identiques faites avec le Galaxy S24 Ultra de Samsung et l'iPhone 15 Pro Max de Apple. J'attends d'ailleurs vos commentaires et vous me direz ce que vous en pensez, lequel est pour vous le smartphone qui fait les photos qui vous plaisent le plus, pas forcément le meilleur. Alors je commence par un aspect hyper important pour moi, c'est le côté massif de ces smartphones. J'ai donc passé un mois avec ces deux appareils dans la poche et clairement c'était super relou parce qu'ils sont tous les deux énormes. Du coup, mes poches ne ressemblent plus à rien. Mais même s'ils ont un encombrement qui est assez similaire, le Samsung est moins facile à prendre en main à mon avis. Il est plus grand, plus lourd, il a des bords un petit peu arrondis et surtout il a un énorme défaut. Je me souviens pas avoir eu en main un smartphone que j'ai eu aussi peur de faire tomber parce qu'il glisse très facilement. Alors que je trouve que l'iPhone 15 Pro Max, qui est lui aussi très grand, tient beaucoup mieux en main. C'est sans doute dû à ses côtés plats, ne glisse pas du tout. Donc franchement, autant l'iPhone peut être utilisé sans coque, sans problème, autant pour le Samsung, je conseille vraiment de mettre une coque de protection, ce qui va évidemment lui donner un poids et un encombrement supplémentaire, mais en tout cas, il sera au moins protégé. Donc avoir un smartphone en poche pour prendre des photos tous les jours, son encombrement, sa facilité de prise en main, c'est un critère à ne surtout pas négliger, et sur ce point, je préfère largement l'iPhone. Ensuite, je vais vous parler de la rapidité pour prendre des photos, et là, il y a une petite subtilité. Tout à l'heure, je vous parlais de dégainer, c'est-à-dire, tu vois un truc que tu veux prendre en photo, et tu as besoin de prendre la photo le plus vite possible, et sur ce point, il y a presque égalité. Pour lancer l'appareil photo du Galaxy S24 Ultra le plus rapidement possible, il suffit de faire un double clic sur le bouton Power. L'appareil se lance et tu peux réellement prendre une photo en une seconde chrono à partir du moment où l'appareil est en veille. Il est évidemment ultra réactif parce que son processeur est super puissant. Sur l'iPhone, c'est différent. Par défaut, pour prendre une photo depuis l'appareil en veille, il faut soit faire un double tap sur l'écran, soit attendre qu'il te détecte et ensuite appuyer sur l'icône photo. Et là, il faut à peu près une demi-seconde de plus pour faire la photo par rapport au Samsung parce qu'il faut faire un appui long sur l'icône photo depuis l'écran de verrouillage, mais avec le bouton d'action de l'iPhone 15 Pro Max, tu peux aussi lancer l'appareil photo en un seul appui long sur le bouton d'action, mais c'est encore une fois un appui long et le temps de prendre la photo, on arrive à peu près au même temps nécessaire que pour déclencher l'appareil à partir de l'iPhone en veille sur l'écran. Et je trouve que pour faire le focus et déclencher, l'iPhone est encore une fois un peu moins réactif que le Galaxy S24 Ultra et pourtant il a un processeur qui est super puissant. Alors ce genre de comparaison, ça peut vous paraître ridicule, mais je vois comment je fais des photos au quotidien et pour moi cette réactivité, c'est vraiment loin d'être un détail, surtout quand on paye ce prix-là pour les smartphones. Donc sur ce point, je pense que le S24 Ultra est cette fois-ci meilleur que l'iPhone. Ah, juste un truc, dégainer son smartphone le plus vite possible, même s'il ne glisse pas, c'est aussi le risque de le lâcher, de le faire tomber, et que ce soit pour l'iPhone ou le Samsung, je vous conseille quand même vraiment de mettre une coque. Alors quand tu lances ton appareil photo, tu en x1, donc l'objectif grand angle, le truc de base qui se lance automatiquement quand tu ouvres l'appareil photo sur ton smartphone. Et sur ce point, le S24 Ultra est pour moi plus intéressant car il a un champ de vision un petit peu plus large que celui de l'iPhone, pas de beaucoup, mais sur ces quelques photos prises exactement de la même manière, on voit plus de choses dans les photos prises avec le S24 Ultra qu'avec celles prises avec l'iPhone 15 Pro Max. Après, tu peux évidemment passer au capteur ultra grand angle, qui est de moins bonne qualité que le capteur principal, mais qui te permet de voir évidemment plus de trucs sur ta photo. D'ailleurs, l'ultra grand angle n'est pas le même sur les deux. Sur l'iPhone, c'est 0,5, sur le Samsung, c'est 0,6. Après, on va passer au zoom. Et on va commencer par le zoom optique maximum. Quand on parle de zoom optique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grossissement numérique dans l'image. On reste sur la même qualité d'image que sur le zoom x1. Alors sur l'iPhone, le zoom optique est limité à x5. On reste toujours sur la même qualité optique qu'en x1. Et sur le S24 Ultra, on voit beaucoup plus loin parce qu'il fait un zoom
x10 en optique. Après, si on zoome dans l'image pour aller encore plus loin, on passe au zoom numérique. Le S24 Ultra va jusqu'à x100, et franchement, c'est comme sur les anciennes générations, c'est difficilement exploitable. L'iPhone, lui, permet un zoom numérique maximum x25, et quand on compare deux photos prises avec les appareils en zoom x25, eh bien, il y a quand même une belle différence. Le Samsung est meilleur sans conteste, hein, c'est mieux contrasté et c'est mieux défini. Alors pour la photo de nuit, alors là, c'est très bizarre parce que les résultats peuvent être très similaires, mais aussi parfois très différents, suivant la manière dont les modes automatiques de ces deux appareils ont décidé de capturer ce que vous voulez shooter la nuit. Ça dépend aussi des éclairages qu'on peut avoir sur certaines scènes, et ça dépend aussi de la capacité du smartphone à prendre une photo en mettant une pose longue ou sans pose longue. Ça dépend du contexte. C'est pour ça que sur les résultats entre des photos prises de nuit avec ces deux appareils, on peut trouver des résultats qui peuvent être très très bons, mais aussi très très différents suivant la manière dont la lumière est captée. En mode portrait, c'est aussi super similaire entre ces deux appareils. Là aussi, c'est vraiment difficile de partager les deux appareils. Donc je vous montre quelques photos en mode portrait, mais je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, de manière générale, que ce soit deux jours, deux nuits en mode portrait, en ultra grand angle, en grand angle, je trouve que le S24 Ultra a toujours tendance, et ça c'est aussi une habitude chez Samsung depuis des années, à faire des photos plus saturées. Alors si vous voulez aller plus loin, et clairement si vous achetez un de ces deux smartphones pour faire de la photo, passez en mode RAW, ce qui vous permet ensuite de faire des retouches de manière super confortable à partir de fichiers qui sont très lourds évidemment, mais aussi beaucoup plus faciles à traiter dans votre logiciel de retouche photo. Comme je vous le disais, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Luminar Neo, qui est une application pour Windows et macOS qui vous permet de faire de la retouche photo et d'aller très loin sans avoir besoin d'être un expert et d'utiliser des logiciels parfois compliqués et chers comme Photoshop ou Lightroom. Et même si vous utilisez Photoshop ou Lightroom, Luminar Neo existe aussi en plugin pour Photoshop et Lightroom. D'ailleurs, il est aussi dispo en plugin pour l'application photo sur macOS si vous n'utilisez pas Lightroom ou Photoshop. Luminar Neo propose une interface qui est très facile à comprendre et qui est surtout très intuitive, donc facile à prendre en main. Et déjà, pendant l'installation, on est vraiment guidé puisqu'on peut regarder une vidéo qui nous montre le genre de retouche que l'on peut faire avec ces photos, notamment grâce à des filtres, mais aussi grâce à l'IA génératif. Alors une action très intéressante et boostée à l'IA, c'est la gomme magique qui génère du contenu qui n'existe pas pour remplacer ce que vous avez supprimé, et ça marche super bien, même sur des images complexes avec de la terre ou de l'herbe par exemple. Autre fonctionnalité géniale qui existe depuis les précédentes versions de Luminar, c'est le changement de ciel. C'est assez cool, soit pour donner un aspect dramatique à vos photos, soit même pour apporter de la consistance à un ciel qui aurait été nuageux, donc très clair quand vous avez pris la photo. Et lorsque vous changez le ciel, vous pouvez le déplacer et le redimensionner. Ensuite, on a aussi la possibilité d'apporter des effets de lumière pour donner un aspect plus artistique à vos photos, comme pour apporter des rayons de soleil à l'intérieur de votre arbre, hein, qui est dans votre jardin. Et puis vous pouvez également tout simplement retoucher vos photos sur la colorimétrie, mais aussi la géométrie des éléments détectés, comme les personnes, les bâtiments, et vous pouvez aussi ajouter des effets visuels assez sympas. Et vous verrez que le nombre de fonctionnalités est vraiment très large, hein, la plupart étant appuyées par une intelligence artificielle qui détecte le contenu de vos photos, vous aide à les optimiser, et tout ça dans une interface super facile à prendre en main, qui est vraiment à la portée de tous, que vous soyez débutant ou expert en retouche. Luminar Neo convient vraiment à tous les utilisateurs. Et concernant le prix de Luminar Neo, ça marche soit en achetant une licence à vie, et il y a des super promos en ce moment, soit en achetant par abonnement. Ça commence à 9,95€ par mois, mais ça revient en fait beaucoup moins cher si vous prenez un abonnement de 1 an à 59€, ou même 2 ans à 99€, parce qu'avec ces deux derniers abonnements, vous avez aussi accès à des masterclass vidéo et le pack ressources de printemps qui comprend des tonnes de pré-réglages, des ciels, des luttes et encore plein d'autres ressources, ce qui vous permet donc d'avoir beaucoup plus d'options créatives pour sublimer vos photos. Je vous mets un lien en description pour aller jeter un œil. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce petit comparatif à la fois sur les photos mais aussi sur le côté pratique pour utiliser ces deux smartphones vous a intéressé. On attend évidemment vos commentaires et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bonne photo et bonne journée. Alors ça c'est rigolo, j'arrête pas de bidouiller mon iPhone et il est bloqué, il faut que j'attende 5 minutes.